De l'an 1000 à 1800, le site de Saint-Jacques a été le siège d'une abbaye bénédictine qui est attestée depuis l'an 1008 exactement. Je suis venue très souvent à l'abbaye quand j'étais beaucoup plus jeune et j'ai vu toute la transformation de l'abbaye. C'est magnifique maintenant, en particulier ce jardin potager, paysager, où on est bien, où on respire bien. Ah ben c'est, ça fait déjà plusieurs fois que nous venons parce qu'on y est bien. D'abord, c'est, le cadre est magnifique, même sans beaucoup marcher puisqu'on a des cannes. Hein. Mais le jardin, tout ça, on a la mer. Aujourd'hui, il fait très beau et le ciel est dégagé. Aller sur la pointe du chevet, c'est magnifique. On voit la mer partout, les rochers qui apparaissent. On est vraiment dans un site très, très beau. Donc, j'habite en Normandie, j'anime des stages de sculpture sur pierre, mais qui sont aussi des stages de développement personnel par le biais de la sculpture sur pierre. C'est pour ça que ça s'appelle Sculpture Miroir. Donc j'anime des stages, j'habite en Normandie, mais j'anime des stages un peu partout en France et avec grand bonheur à Saint-Jacques-de-la-Mer. Eh bien, là, il est 4h30, c'est le goûter. Vous voyez, on nous offre un très agréable goûter. Moi, je suis en train de boire la tisane de l'abbaye, qui est très, très bonne. Et puis, bien, ça fait plusieurs années que nous venons ici. Et nous y trouvons toujours vraiment très bien, très agréable. Bon, d'abord, l'accueil est parfait. Les gens sont charmants. Et puis, ça nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées, évidemment. Et en plus, on est servi à... Comme, et puis l'ambiance est excellente. Donc voilà, on aime y revenir. Ce sont des vraies vacances. Donc je ne peux que dire notre satisfaction d'être ici, dans ce beau cadre, avec ces dames qui sont vraiment très, très charmantes. Puis, vous savez, les chambres sont très, très bien aussi installées. Tout est pensé délicatement et efficacement. Et ça, c'est très, très agréable. Vraiment, comme le service, qui est délicat et... Eh bien, et très bien pensé. Donc, on est très heureux. On ne peut que dire aux autres, venez nous rejoindre parce que vous y passerez des moments délicieux. Voilà.